Bon, ben, je me suis encore trompée de taille. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. C'est tout bas. Aujourd'hui, c'est ça. On se retrouve pour un haul make-up, beauté. Je pense que j'ai tout acheté par de moi-même. Déjà, premièrement, félicitations personne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Je vais swatcher quelques trucs. Il me semblait que j'avais quelque chose d'important à dire. À chaque fois, c'est la même chose. Je ne sais pas, je l'ignore. Nous allons commencer tout de suite par regarder le contenu de ces boîtes. Il y en a deux. Alors, j'ai commandé des ongles sur le site de Kiss. J'en ai parlé dans mon haul anti-haul de la... Il y a quoi? Il y a deux jours, de samedi, que Impress avait sorti des nouveaux modèles printaniers et j'ai craqué. J'ai pris tout avant qu'ils l'annoncent, donc ça compte pas dans le haul anti-haul. Impress, si vous n'êtes pas au courant, c'est les ongles qui ont une gommette à l'intérieur, donc vous n'avez pas besoin de mettre de colle dedans et vous avez juste à retirer la petite languette, la petite gommette. Moi je trouve que ça tient super bien, ça tient entre une semaine et 10 jours dépendamment. Je me douche, je fais la vaisselle. Non, je ne fais pas de vaisselle, j'ai un mari pour ça. Oh, et on peut aller dans les deux sens. Non, j'ai un lave-vaisselle surtout. Et c'est ça, surtout je me douche avec. Et je les enlève. Et j'ai vraiment pas de problème. Et c'est les modèles que j'ai pris. Ça, c'est les ongles Kiss, ceux que je porte aujourd'hui. Kiss et Impress, c'est la même maison. Sauf que Impress font les ongles avec les gommettes et Kiss font les ongles avec la colle. Ou des gommettes, ils mettent les deux ensemble, mais c'est pas intégré dans l'ongle. Tandis que là, c'est intégré, vous avez juste enlevé, c'est vraiment comme foolproof. Et les modèles printaniers sont tellement jolis. Je suis fan. Voilà, donc j'ai pris ça. Celles-là, je les ai trouvées chez Walmart. Et alors, Walmart et Target ont parfois des exclusifs. Et celle-là, pour le coup, était une exclusive. Nous n'avons plus de Target, malheureusement, au Canada. Ça, c'est des ongles Kiss, donc ceux avec la colle ou la gommette à l'intérieur. Ça, c'est les modèles plus chers, c'est les Majestic Nails. C'est pour ça que j'ai acheté de la colle. Je suis en train d'essayer, je sais pas, ça peut très bien ou très mal tourner. Vous le saurez dans les jours à venir. Mais voilà, je me suis dit, tant qu'à payer 20 balles pour des faux ongles, j'aimerais bien que ça tienne plus que 2 secondes. Quoique, avec les gommettes, ça tient, mais j'ai envie de dire... J'ai envie de pas les perdre tout de suite, voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, chez Walmart, j'ai trouvé les fameux gloss Maybelline. J'ai résisté longtemps aux gloss Maybelline, mais pour le coup, bon, j'en ai pris deux. J'ai pris le Lifter Amber et le Topaz. Ce sont deux couleurs que je n'ai jamais essayé. J'ai jamais testé la texture du truc. Ça, c'est Krav Maga. Elle a décidé de tout de suite jouer avec une clochette. Des lapins de Pâques. Bon, le mien était ouvert. Ça sent rien. Ouh, c'est beau. Oh, c'est un peu huileux. C'est pas du tout collant. C'est magnifique. Ça a l'air d'être... Ça a l'air le genre de texture qui pourrait me plaire. Donc ça, c'est à tester. Et la couleur Topaz. Qui est un tout petit peu plus nacré, mais j'ai l'impression que j'ai pris les deux mêmes couleurs, plus ou moins. On ne se refait pas, hein, que voulez-vous. Ensuite, j'avais acheté la nouvelle collection de Propa Beauty, je pense qu'il y en a 7 nouveaux rouges à lèvres. Je les ai swatchés sur mon vlog la semaine dernière, ils sont magnifiques, j'ai hâte de les essayer. Donc c'est une gamme un peu plus rouge, bordeaux, ce sont des rouges à lèvres satinés, crémeux, avec une jolie brillance. Alors c'est pas le genre de choses que vous voulez porter sous un masque ou quoi au caisse, mais c'est vraiment une super jolie texture si vous êtes fan de rouges à lèvres. Et en fait c'est une marque qui, qui a été créée parce qu'il manque, pour les peaux foncées. Voilà. Donc au début elle a créé une gamme de nude pour peau foncée, mais tout le monde peut les mettre, hein, mais je veux dire, c'est plus destiné pour que
chaque personne avec une peau foncée puisse avoir son propre nude. Et j'avais adoré la première collection. Quand je l'ai acheté et tout, j'ai contacté la compagnie, puis ils m'ont mis sur leur truc d'affiliation. Vous le savez peut-être ou pas, mais je n'ai pas beaucoup d'affiliations dans la vie. J'en ai que deux, celle avec Propa Beauty, celle qui me rapporte de l'argent, et Devina qui ne m'apporte pas d'argent. Donc c'est la seule, Propa Beauty, qui m'a mis dans sa liste. Mais j'achète mes produits moi-même, j'y tiens, parce que je tiens à encourager la compagnie. C'est une compagnie black owned et créée par une seule femme, donc j'apprécie et j'admire énormément. Ce sont de magnifiques rouges à lèvres, je vous en souhaite chez un. Unstoppable. C'est une jolie gamme de rouge, vraiment magnifique. Ensuite, ah bon, je me suis trompée. Il y avait eu des soldes sur le site de Sephora et je pensais avoir acheté ça puisque c'était le même prix et que c'était à moitié prix. Genre c'était 30$ au lieu de 60, ça c'est 60$. Je me suis dit, oh bah c'est cool. Non, finalement j'ai acheté le full size. Pas le full size, le masque pour le visage. Voilà, c'est un sleeping mask. Les deux c'est des sleeping masks. Après je me dis, bon tant pis hein. Voilà, c'est tout. Je suis gourée. Est-ce que c'est le même packaging? Parce qu'il me semblait que c'était le même packaging. J'ai pas prévu de quoi ouvrir les choses. Encore une fois. Danisha, ça fait combien d'années que tu fais des vidéos sur YouTube? 3 ans, 4 ans, 8 ans, minimum 5 ans, 6 ans. J'avais une autre chaîne avant, c'est pour ça. Et je vais m'éborner. Oh, dans la boîte, il y a une autre boîte. Bah oui. Non, enlevez-moi ces cuillères, ça ne sert absolument à rien, n'en ai pas. Bon, bah je me suis encore trompée de taille. Est-ce que je peux le mettre ça comme genre la même chose mais sous mes yeux finalement, parce que lui est presque vide, fini. Est-ce que c'est la même chose? Ça ressemble pas à la même chose. Je me suis plantée. Après je me suis dit c'est pas grave, j'en aurais quand même besoin, tant pis, advienne qui pourra. Je checkerai quand même si je peux pas le mettre sous mes yeux, c'est dur, on sait jamais. Ensuite, j'ai enfin reçu une palette. J'ai pas beaucoup de palettes ce mois-ci, il n'y aura pas de haul palette. Je sais pas pourquoi, j'ai pas été inspirée. Je me suis dit j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai beaucoup de trucs à tester. Donc j'ai reçu celle-ci qui date d'octobre. Finalement la palette est arrivée. It's freaking bad. Regardez-moi cette color story de fou. C'est de Shroud Cosmetics et Bug Bean, c'est la collaboration. Alors on va tester un fard. On va tester le fard qui s'appelle Grim. Oh, ooh, ooh. Oh, c'est de toute beauté. Alors, testons. C'est vraiment très crémeux, très épais comme texture. Oh, oh my god. Mais de toute façon, ça va être la prochaine palette du prochain Get Ready With Me. Donc si ça vous tente de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec, je pense que ça va être la vidéo de samedi prochain. C'est ça. Ah, mais mon haul anti-haul, c'était dimanche, c'était pas samedi. Je suis un peu perdue avec le jour férié, vous savez. Voilà, bon, je pense que c'était la seule palette de ce haul. Bon, non, il y a une palette pour le visage. J'ai acheté, finalement, j'ai craqué pour cette palette visage de Milani. Je la trouvais magnifique. Donc, il y a une claire et une foncée. J'ai pris la foncée parce que je ne savais absolument pas où me jeter. Et je me suis dit, la foncée, ça devrait être cool. J'aimais beaucoup cette couleur et cette couleur. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Donc, on va tester les deux ensemble, tiens. Au Get Ready With Me, puisqu'on n'a pas de... une nouvelle face palette, c'est cool là aussi. On va faire ça. Ensuite, dans ce haul Milani, j'ai pris les baumes, les fameux baumes dont le packaging me fait vraiment... j'arrive pas à ouvrir le truc, mais j'avais testé sur le vlog. Je vous montrerai celui qui est ouvert, il est dedans. Ensuite, j'ai passé ma première commande sur le site de Fenty Beauty parce qu'il y avait moins 30%. Donc je continue ma collection des Diamond Bombs. Et j'ai pris celui-ci qui est or. Mais c'est pas un or trop jaune. Et j'apprécie grandement.
J'avais peur. Je me suis dit, j'ai même pas regardé. Je me suis dit, ah, je vais le prendre quand même. C'est subtil. Oui. Subtil, sympa. Il y avait un bruit bizarre. Après, je me suis dit, ah non, c'est la vaisselle. J'ai pas l'habitude. Ensuite, j'ai pris mon premier blush crème, le le Cheeks Out Fuego Blush. J'ai pris. J'ai pris le orange Chimeli. Attends. Allez, on va l'essayer. Je m'attendais pas. C'est beau. Je découvre avec vous. Ah oui, c'est subtil. D'accord. Bah écoutez, je sais pas ce que je suis. Ensuite, j'ai aussi pris mon premier ça là. Comment, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai swatché et j'ai vu que il y a beaucoup de produits qui étaient sortis d'un coup. C'était parti en escalope, mais j'adore la texture. Oh, ça sent bien du tout. C'est magnifique. J'ai pris, voilà, je pense que j'ai pris la couleur glazed. Attends. Attends, c'est ça. Et j'ai aussi pris mon premier cream lip de Fenty qui s'appelle, attends, Honey Waffles. Waffle, waffle, waffle. Allez, ça. C'est de toute beauté. Je ne sais, oh, c'est trop beau ça. Je sais pas, je voulais essayer après le hype. Parce que je me suis dit, je ne vais pas succomber au hype. J'étais curieuse, mais je pouvais attendre un solde. Ensuite, j'avais été chez Winners et j'ai trouvé le stick bronzer de Marc Jacobs. Regardez le prix. 12,99€. Et dire que j'ai failli l'acheter plein prix l'année où c'est sorti. J'ai pris la couleur tantrique. Que j'aime le produit crème, vous le savez. Allez. Ouh. Hein, c'est beau ça. J'adore. C'est de toute beauté. Comment ça s'estompe? Au doigt. Ouh, ça s'estompe bien. Okay, ça a l'air prometteur. C'est Face and Body. Aujourd'hui, j'en ai mis. Non, c'est pour rien. Aujourd'hui, j'ai mis mon body glow et par-dessus, j'ai mis un highlighter. Histoire d'utiliser ma highlighter, je me suis dit, allez, soyons fifou. Et je trouve que c'est beau, finalement. Ça donne, je sais pas. Je trouvais que c'était beau. Ah, j'avais aussi trouvé ça, ces faux ongles-là, chez Walmart, aussi un exclusif. Donc, je suis très contente. Il y a un Jenga qui est en train de se passer ici. Ensuite, je retourne chez Winners, là où j'ai acheté le Bare Minerals Bounce Blur Fard à Joues. J'en avais acheté un pour une rillette, pour une box surprise, et j'en ai pris un pour moi, puisqu'il n'y en avait que deux. Et la couleur est magnifique. Ça s'appelle Blurred Buff, et je sais que j'aime beaucoup la texture, j'ai la version d'échantillon, mais écoute, on commence. Est-ce que c'est pas super beau? Waouh! C'est entre crème et poudre. Vraiment, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup la couleur aussi. Grand appréciation. Ah oui, je voulais vous montrer donc le baume à lèvres Milani. J'ai pris la couleur quoi? Scandal? Non. Crave. Pourquoi Scandal? Je ne sais pas. Ça ressemble à ça. C'est magnifique. Un petit peu moins shiny que celui de Fenty Beauty. J'ai aussi pris celui-ci qui s'appelle... C'est douce. Okay. Et l'autre, comment il s'appelait le premier? J'étais sûre que j'avais pas pris cette couleur là, mais dans ma tête, je sais pas. Roleplay. Pourquoi j'ai pas pris le nude comme d'habitude? Je ne sais pas. J'avais passé une commande chez Sephora et il y avait un échantillon d'un produit Rare Beauty. Rare Beauty Fearless. Et je me suis dit, tiens, bah, hey, ça serait l'occasion qu'il ferait le lardon pour tester. C'est bien ce format, moi, je trouve. Ça ressemble à l'original. Et c'est petit. C'est quoi comme couleur? C'est patchy. C'est beau comme couleur. C'est presque un mauve. Presque, mais pas. Donc, ça, j'ai pas fini.
Vous êtes encore là? Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai passé une commande chez Mac. Il y avait, je sais pas, moins 25%. Donc j'ai pris deux comme ça, deux Extra Dimension Blush. J'ai pris Hushed Tone, qui ressemble à ça. Magnifique. C'est presque un mauve. Non, c'est abricot, ça va. C'est beau, ça. J'ai aussi pris... Just a Pinch. Non, c'est lui l'abricot, je pense. J'adore, c'est trop joli. Ensuite aussi, j'ai pris... Ah bah non, mais chez Milani, j'ai pas fini. J'avais pris ces blushs-là. J'avais l'œil dessus depuis que c'était sorti aussi. Et j'ai... En fait, le truc qui s'est passé chez Milani, je vais vous raconter mon histoire. C'est que je voulais acheter les baumes. Et il y avait un moins 20%. Je me suis fait un panier et je trouvais que c'était quand même assez cher. Alors j'ai laissé le panier et ils m'ont envoyé un coupon de moins 20% pour tout le panier. Ça marche pour pas mal de compagnies. Je vous suggère de l'essayer si jamais. Mais chez Milani, ça marchait. Donc j'ai pris ce blush qui s'appelle Coco a Felicita. Et lui, c'est pas le nom d'une drag queen, ça? Sunrise Serenita. Ça aussi, de drag queen. Ensuite, c'est quoi ça déjà? J'ai oublié. Non, ah oui, non, je sais c'est quoi. C'est le reste de ma commande Jaclyn Hill. J'avais recommandé ma poudre fétiche. Ma Luminous Powder couleur Carats, enfin elle est revenue, je suis tellement contente. Et donc chez MAC, je continue, j'ai pris un Glow Play Blush qui s'appelle, il n'y a pas le nom, si, Heat Index, qui est le fuchsia magnifique. J'ai aussi pris, oh bah attends, il me reste, on finit avec Sephora. J'ai pris ça en échantillon. C'est un truc de la marque Saï. C'est un highlighter liquide. Et j'ai aussi pris ça de Marc Jacobs. C'était à moins 50%. Et j'aime beaucoup cette gamme là. Et j'avais pas cette couleur là qui était sauge un peu, pailletée. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais... Je l'ai pris. Je trouvais que c'était beau. Il a des paillettes dorées à l'intérieur. Magnifique. Et bon, on finit avec MAC. Pour de vrai. C'est un rouge à lèvres pour pas beauty qui s'est fait la malle. Allez, j'ai quelques rouges à lèvres à vous montrer. Attention. Je lève mes mains. Non. Mes manches. C'est parti. Attends, j'y suis. Je commence avec la collection cacao. C'est ça? Cacao ou macao? Enfin ça là. J'ai pris la petite pêche qui s'appelle Have a Nice Day. Ça c'est un powder kiss. C'est ça. Ensuite, j'ai pris Congrats, qui est un lustre. Je préfère les lustres que les powder kiss. Ensuite, j'ai pris Here's a Hug. C'est un lustre aussi. Magnifique. Ensuite, j'ai pris deux vieilles collections. J'ai pris celle-ci qui s'appelle Luck Be Lady. Je pense que ce sont des powder kiss. Ça. Il faudrait que j'arrive à essayer à porter des rouges à lèvres sans devoir faire la ligne autour. J'ai l'impression que c'est un prérequis chez moi, mais j'aime bien le look flouté autour des lèvres. Mais après, j'ai toujours cette phobie que ça ressemble à du spaghetti. Tu sais, que tu viens de manger des spaghettis. Oh, c'est beau ça. Isabelle, Turn Up Your Luck. C'était de la collection Lunar Year de cette année. Et j'ai pris trois autres. J'ai pris un Lust
Butter, je sais pas quoi. Ça, c'est venu avec un cadeau. Ça s'appelle Marrakech et c'est un mat. Il est magnifique. Puis, j'ai deux powder kiss. J'ai Impulsive. Celui que je voulais depuis super longtemps. De toute beauté. Et pour finir, Devoted to Chili, qui était aussi un cadeau avec achat. Je me suis dit, bah, allez, ça faisait longtemps que je le voulais. Oh, il est magnifique. C'est lui. Voilà pour le haul. Et c'était un haul, bon, c'est pas raisonnable du tout. C'était un haul plus petit que d'habitude. Pour moi, c'est un petit peu moins overwhelming, même si ça l'est quand même un peu. Mais bon, écoute, en ce moment, il sort rien de vraiment intéressant. Je préfère y aller avec mes coups de cœur. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps de tout tester. Donc, testons les choses. J'aimerais qu'à l'avenir, c'est un souhait. Tu sais, qu'on se fasse toujours plaisir. Tu sais, ça dérange pas. Mais personnellement, j'aimerais comme avoir comme la crème de la crème dans mes affaires. J'ai pas envie d'avoir des choses qui sont bof. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai pas acheté. Même si je suis une chaîne qui teste du make-up, je ne fais pas que ça. Je parle de make-up, mais j'aime... Comment dire? J'aime pas pousser à l'achat, vraiment. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je sais que c'est complètement contradictoire puisque vous venez de voir un haul, mais ça c'est par curiosité. Si j'avais pas de chaîne, j'aurais quand même acheté du maquillage pour tester, pour voir qu'est-ce qui est nouveau. Je le faisais avant d'avoir YouTube, mais bon, vous êtes pareil que moi, je le sais, c'est pour ça que vous êtes là, je sais que vous comprenez. Et demain on se retrouve pour le Project Pan annuel, la première update de l'année. J'espère que vous allez être là et que vous allez apporter votre goûter. Ah non, ça va être votre petit déjeuner. Je vous dis à demain, merci d'être resté avec moi, bye.